Hello la commu! Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner. T'as toujours rêvé de te faire tripoter le slibard, tricoter une écharpe. Eh ben merde. Eh ben aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo hyper le tricot. Eh les gars, me jugez pas, les idées, ça va, ça vient. Donc aujourd'hui, on va faire une super après-midi tricot. Oui, bon, on se fait chier là, ok, d'accord, arrêtez. Comment on ouvre cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ben il est déjà tordu le truc. C'est quand je l'ai frappé contre le... Ah oui. Bandour, demande de riz. C'est pas vraiment raciste. Étape numéro 1, regardez un tuto. Oh, je me sens bête. Eh, hey, c'est trop cool. Hein? C'est déjà dur, non, là. Mais explique-moi comment on fait. Pourquoi elle explique pas comment on fait? Pourquoi elle le fait sans expliquer? Pourquoi elle explique pas? Attends, on va faire image par image. Alors. Oui. Hein? Oh, la vidéo va se finir très vite. Voilà. Eh, ma première aiguille. Est-ce que j'en ai deux? Une dans le truc, une dans le cul. Eh, hey, on tient un truc, là. Regardez. Bandour, demande des spaghettis. Non, c'est toujours pas raciste. Mais pourquoi elle a écrit tuto pour débutants? C'est une grosse menteuse. On recommence. Je fais une boucle. Je passe dedans. Je suis dedans, là. Ça me rappelle ma première fois. Filme pas quand je dis des trucs comme ça. Ça marche plus. Ça marchait une fois, ça marche plus. Y'a un glitch? Wow, elle en a fait beaucoup, elle. Et moi? C'est bien, moi, ou pas? Ah ouais, c'est bien, Gabin. C'est bien. Espèce de connard. Qui a fait ça? Hop, je tire devant, puis derrière. Ah, mon arrière-grand-mère serait fière de moi, je peux te le dire. Non, je rigole, elle l'a jamais été. Je passe devant, je passe derrière, comme ma première fois. Filme pas, je dis les trucs comme ça en vrai. C'est du surplus de montage après. C'est marrant parce qu'il y a un truc qui est bizarre là-dedans. Mais je pense que c'est juste dans ma tête en vrai. C'est très bien, Gabin, tu te débrouilles comme un chef. Je passe devant, je passe derrière, j'enfile des perles, j'encule mon frère. Hein? C'est marrant parce que ça ressemble pas trop à ce qu'elle a fait. Ah mais c'est beau elle. Devant, derrière. Non mais là frère t'abuses. Elle a pas dit qu'il fallait quoi. Ne te crève pas les yeux avec les aiguilles parce que ça fait mal. Bon bah on va se faire enculer alors, on va se faire enculer, c'est ça le jeu. Menteuse va. L'erreur c'est bien un truc de débutant ça. Mais ça marche pas, elle dit n'importe quoi. Elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Non elle ment c'est sûr. Elle dit n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait hein. C'est nul votre passion pourrie. Pardon. Je recommence tout. Mais non, je faisais pas bien depuis le début. Qui s'y attendait? Je suis un génie. Tu sais, t'as capté un peu? Je passe ça ici, je remets ça là, je tire. Petit enculé, ça marche. Eh, hein. Ça marche déjà mieux là, oui. Allez, j'en fais à l'infini. Je suis un vrai trick-tocteur. Un trick-tocker, je suis un trick-tocker. Ok. Nique ta mère, c'est bien ça, encore. Et quel moment c'est amusant ça en fait? Ça me détend pas du tout là, c'est l'inverse. Faut que je casse des trucs. Et on n'abandonne pas ici. On n'abandonne pas. J'ai envie d'abandonner. Il est 17h40 et j'ai commencé à midi, voilà où j'en suis. C'est nul! Alors, je sais ce que vous allez dire. Bon alors c'est pas parfait, faut pas regarder dans les détails non plus, pourquoi toujours vouloir? L'important c'est que le mécanisme ait été compris. Un petit peu tard, vous pouvez le remarquer juste ici, il y a un trou. Mais je comprends la douleur que c'est maintenant. Voilà, je me suis surpris à couper la cam et à faire ça pendant des heures. À faire ça. Alors, dans ma tête, ça paraissait plus stylé sur le moment, mais là... On peut dire que j'ai pris le coup de main. Voici ce qui reste de la pelote. Mais je pense qu'on va le faire. On va aller jusqu'au bout de cette pelote. Et pourquoi je m'inflige des trucs comme ça? C'est carrément con, en fait. Et non, pas de jour 2. Parce que j'ai la flemme, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le tricot, c'est vraiment chiant. Attends, je me mets à l'aise parce qu'on va tricoter, là. Je vais remettre le meuble. On va tricoter ensemble. Le plus chiant, c'est toujours la première maille. Ah, mais j'ai les termes maintenant. Ça, je fais devenir casse-couille, je vous le dis. On passe là-dedans. Et ensuite, je passe ici. Et je tire. J'adore. Je trouve que c'était apaisant. Voilà, le mot c'est que c'était apaisant. Alors je sais pas à quoi ça va servir à la fin. Parce que j'ai pas anticipé ça avant de commencer. C'est vrai que c'est con. En tout cas, j'ai de quoi faire. Oh, et puis finalement, on va pas faire toute la bobine, hein, c'est chiant. Je termine cette maille et on fait un petit débrief, vous et moi. Vous avez pas le choix. Vous savez quelle heure il est maintenant? 20h40. Alors je vous rassure, j'ai pas fait que ça. Ça ferait beaucoup. Non, j'ai fait d'autres trucs aussi. J'ai fait. J'ai dormi, je crois. C'est pas mal pour une première, c'est dégueulasse. Mais honnêtement, j'ai réussi. Je me suis dit pourquoi ne pas terminer ça en live? Pourquoi pas faire des lives chill? Parce que moi, je suis un mec calme en général. Non bah là c'est pas le bon exemple ça aussi. Voilà, on fera une big écharpe parce que là c'est vrai que c'est un peu court, c'est pour se pendre ou quoi. Voilà ce que j'ai pu faire. Je me dis ouais, peut-être on finira ça en live sur TikTok ou YouTube sur un petit fond de musique un peu chill. Et ça tricote comme ça. C'est pas mignon un peu? Enfin voilà, nouvelle passion débloquée. Merci d'avoir regardé, salut.